Bonsoir à toutes et à tous, un jour de fin de vidéo 100% gameplay découvert sur le jeu qui s'appelle Rogue Company, un jeu qui est en bêta fermée actuellement, vous pouvez accéder en précommandant le jeu. Il s'agit d'un TPS, donc Third Person Shooter, en 4 contre 4 avec plusieurs modes de jeu, donc pour l'instant c'est en bêta, donc il y a plein de choses qui vont s'améliorer. Je voulais vous faire une vidéo sur ça parce que ce jeu au début me plaisait pas trop, j'y jouais un petit peu, tout ça, et puis du coup, je me suis dit que, vu les introductions comme on peut voir maintenant, qui sont super stylées, et ben il faut faire une vidéo, voilà. Et puis il faut du contenu aussi, donc voilà. Donc, c'est par les mêmes éditeurs, ceux qui ont fait Paladin Smith, pardon. Voilà, Paladin et Smith. Donc je rappelle le concept d'une vidéo 100% découvert, c'est qu'il n'y a pas de cut, c'est un seul rush. On va baisser un peu. Un seul rush, rien d'autre. Pour vous montrer vraiment une game à 100%, donc au concret. Donc là, on va acheter ça. Là, on est sur une game, un mode de jeu où je crois qu'il faut. C'est la première fois que j'ai fait ce mode de jeu. Il faut. On a 12 vies au total, et il faut capturer un point. Il faut le dominer, je ne sais plus trop. Emparez-vous l'objectif, voilà. Mais en quoi, quoi qu'il arrive, on a 12 vies. Donc, à ce que j'ai vu sur le net, généralement, ça se termine les games. Par le fait qu'il y ait plusieurs années de vie. Donc on a choix à plusieurs mercenaires. Les mercenaires ont plusieurs pouvoirs différents. Ok, donc je suis dans la fesse. Donc les mercenaires ont chacun des petits pouvoirs différents, etc. Moi j'ai une sorte de radar. Donc on peut acheter... Donc on a des armes. On peut pas acheter des armes, mais on a des... Enfin si on peut acheter des armes, mais on a chacun nos armes en fait. Voilà. Et vous pouvez les améliorer à 3 niveaux différents. Et plus vous faites des kills là. Ah merde, c'est terminé. Meurs pas toi! Voilà. Ensuite, on va garder des lits. Vas-y, monte ta tête, toi. Ah! La hitbox! C'est très intéressant. Voilà, hop là. Là, ça leur fait des plaisirs à moi. Donc, j'ai un précommande à 30 euros à peu près. Ah merde, on va dans la barrière. Go here. On va aller derrière la voiture. Donc oui, c'est très arcade, etc. Donc il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le mode aussi où il faut défendre un peu comme Counter, il faut défendre A et B. Le premier arrivé à 7 points gagnant a gagné, puis ouais, ça tourne, etc. Donc là, vous voyez, on a gagné le premier round, et c'est le premier arrivé à 3, donc on va essayer de faire au total. Donc vous voyez, maintenant, on peut améliorer nos armes, donc moi je vais prendre ça, viser ne vous le ralentit pas. Et selon les caractères que vous prenez, les personnages que vous prenez, et eh ben ça change en fait. Voilà, on va prendre ça, j'ai amélioré mon arme, vous voyez, parfois français d'efficacité augmentée. Voilà, donc moi j'ai fait le TK. Après je peux acheter aussi ça, mais je suis pas fan de la dévotion, c'est une arme à fusil à précision automatique, mais je suis pas un grand fan. Donc là c'est reparti. Vous voyez, en général, le point se joue pas trop, c'est plus la vie, hein. C'est vraiment, voilà. Moi, j'ai fait 6 kills, 600, vous voyez, ça joue plus sur ça. En graphique, ça me fait penser à un ping, un peu à Ring of Illusion. Alors, je fais ça, peut-être que c'est une erreur de faire ça. C'est barré. C'est important de l'éliminer.
Moi j'ai un petit Wallach, hein, c'est mon petit. C'est mon petit. Ça va m'arriver comme le port salut. Je vais regretter. Move here. Non, pas du tout. Move here. Need help. Ok, éliminé. Go here. Donc là, on est en train de. On a perdu l'objectif. Il nous reste 10 vies, on en reste 8, donc c'est jouable. Un petit coup de voilà. Lethal out. Ah oui, je confonds. Lethal out. Je tire à travers. On recapture le point. Donc on peut jouer un peu avec la caméra, vous voyez un peu là. Celui-là, en fait, c'est mon mode préféré, le mode attaque-défense, je suis un peu moins fan parce que. Et c'est pas la meilleure solution qu'ils font là. À terre. On va terminer avec le gun. Affirmative. Don't tell anyone about this, okay? 45 seconds left. Keep it up. Donc là on fait un peu n'importe quoi parce qu'on est en train de dominer, hein, clairement. 30 seconds remaining. Not much longer. Oh, il m'a laser. Il m'a laser. Ceux qui nous restent 8 vies, eux il leur en reste 0. Donc du coup on va pouvoir faire du mal, du sale. Lethal out. Ah putain, on va pas se faire. Il en reste plus que deux à tuer. Donc là, les mecs, en fait, ils campent, ils ont gagné, mais on a l'objectif. Voilà. On a clairement gagné grâce à l'objectif. Là, du coup, ça m'a fait mentir tout ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, donc, je sais pas si le jeu plus tard aura plus de notoriété. En tout cas, là, actuellement, bon, je sais pas. Il faut à peu près 2-3 minutes pour trouver une game. C'est du 8 joueurs par game. Il y a un système de niveau, un système de shop aussi que vous pouvez retrouver. Je sais pas si c'est pay to win, j'ai pas vraiment regardé parce que ça m'intéresse absolument pas. Alors, attends, avant de sauter, je vais quand même. Faire ça. Voilà. Un petit shield. Et je sais pas ce que j'ai acheté d'autre. J'ai amélioré encore mon arme. Il y avait 3 niveaux d'amélioration. Donc on va continuer. Dernière partie, dernière round. Bien sûr, après il y a de l'argent virtuel, l'argent réel que vous pouvez acheter. Ah, ça fait mal. Move here. Lethal out. Donc là, on a ramené une branlée déjà. Faire la mine. Moi j'essaie, je joue la M. Voilà, les têtes c'est mieux. Voilà, j'ai eu le kill. Il m'attend le. Tac, je lui ai remis une. Là, là, viens, 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 viens. Comme une. This doesn't mean I like you. Putain, moi, moi, je l'aurais mis. Ouais, donc là, ils ont déjà plus de vie, on en a 12-12, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun de nous qui est mort. Hold your horses. Not yet. 45 seconds remaining.
I can't do that. Ah putain, si je suis mort. J'ai déshonoré mon équipe. Donc, vous voyez, bon, il y a encore pas mal de choses à faire. La Xbox qui est un peu pétée, les armes qui sont un peu random. Voilà, il reste plus qu'un joueur et c'est la victoire. Donc on va s'arrêter là. Troisième vidéo de découverte. Voilà, manche remportée. On a gagné. C'était easy. Comment encore? Comment? On peut pas créer dans le chat. This is the part where I ride off into the sunset. C'est quelle partie? J'en suis à 5, c'est pas grave. Donc, Rock Company, un petit jeu tranquillou. 30 euros en précommande, il y a des versions plus chères. Écoutez, sympa, mais sans plus. Moi, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, pour l'instant. Sympa, mais voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, pouce bleu et commentaire, très important pour le soutien de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Covid, banzai.